Et salut à tous, c'est Axi, on est sur notre première session sur Gears Tactics, et bah c'est parti, lancez la mission. Après des années d'une guerre sans fin, l'humanité avait enfin trouvé la paix. Jusqu'au jour de l'émergence. Lorsqu'un nouvel ennemi, corrompu et sans pitié, sortit des profondeurs et prit notre monde d'assaut. Allez, dis-moi Les pertes ont été. qu'on n'a pas de décalage cette fois. Mais notre détermination est intacte. Mes très chers tyrans, aujourd'hui, la coalition des gouvernements unis riposte. Ces bêtes répugnantes, ces locustes, n'iront pas plus loin. Moi, le président Prescott, ai approuvé une frappe planétaire de notre arsenal du rayon de l'eau. Sur mes ordres, nos forces ont placé des détachements d'infanterie dans des villes clés pour éliminer les derniers locustes. Pour les citoyens qui ne pourront évacuer les villes à temps, la coalition apprécie votre sacrifice. Pardonnez-nous, c'était le seul. Courage, soldat. Si le discours de Prescott t'a pas tué, c'est que tu peux survivre à tout. Il détruit la planète. Ah, mais j'ai toujours du décalage, c'est incroyable. Je pensais que là j'en aurais moins, mais. J'en sais rien. Est-ce que vous, en tant que viewer, vous avez du décalage entre l'image et le son? Parce que moi j'en ai un peu. Du coup, c'est chiant. Mais je suis pas certain que vous l'ayez comme moi. Vous cherchez un abri? Entrez. Plus on est fou, je vous conseille de répondre. Diaz? Ordre spéciaux, sergent. Immédiatement au bureau du général Beckett au central. Putain, c'est ouf parce que moi j'ai un petit décalage, je comprends pas pourquoi. Non, vous vous trompez de gear. Moi je m'occupe juste du garage. Vous avez vos ordres. Contrôle terminé. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein. Normalement, en théorie, sur ça, on devrait pas avoir besoin de trop de synchro. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le son du micro? Est-ce que tout s'entend très très bien ou pas? Parce que ça c'est pareil, c'est pas évident d'avoir les infos là-dessus. Alors, drone Kaomax, soldat spécialisé en combat à distance, utilise les couvertures. Et j'ai pas pu voir la suite, voilà. Ce n'est pas grave. Tour ennemi. Troupe locuste en approche. Les drones, je les vois. Allez, let's go. Ça, c'est bon, les touches. Ok. Ah, moi, on m'entend bas, putain. Mettez-vous mais à couvert, ça. Diaz. Vous avez oublié comment vous battre dans votre garage? C'est fou, parce que c'est réglé à fond de chez fond. C'est vraiment réglé à fond. Est-ce que là c'est un peu mieux comme vous m'entendez ou pas? Vous voulez vous faire tuer? Mettez vite votre cul à l'abri. Dites-moi si c'est un peu mieux.
Bon, on règle les petits problèmes de son en direct, drone en ligne c'est de comme ça. Je passe à l'attaque. Allez, feu, tire. Allez, ça c'est fait, un de moins. Cible abattue, encore une à portée de tir. Allez, la petite deuxième. Putain, il lui a rien fait, oh le merde. Con. La larve s'est retranchée, faut la contourner. Bien reçu, je vais me mettre en position. Putain, du coup ça a rien changé. Alors, comment on peut faire changer un peu? Ouais, je... En avant, okay, soldat. Il y a une position de flanc droit devant. Alors, je vais essayer de baisser le son du jeu déjà. Ça, je baisse un peu et. En avant, soldat. Il y a une position de flanc droit devant. Tac, tac. Est-ce que là, au niveau du micro, ça passe mieux ou pas? Est-ce que c'est... est-ce que ça s'entend un petit peu mieux quand même? Ce serait bien. Ce serait bien que ce soit un peu mieux. Alors, du coup, on va là-bas. Allez, vas-y. Maintenant, il n'y a plus qu'à le cueillir. Allez, tue-le, ça c'est fait. Parfait. T'aurais dû rester sous terre, sale larve. Toi la larve. Bah ciao. Alors, la plupart des capacités du jeu, telles que les déplacements, le tir, requièrent des points d'action, PA. Certaines capacités, telles que le déplacement sur une longue distance, peuvent coûter plusieurs points d'action. Chaque unité possède 3 points d'action que vous pouvez répartir entre les déplacements, les tirs et les compétences. Les frappes du rayon de l'aube vont pas nous attendre. HPC larve. Alors, du coup, je dois aller tronçonner le petit bonhomme. Tronçonnons ce petit bonhomme. Et voilà. Joli découpage. Du coup, ce qu'on peut faire peut-être, c'est aller par là. Voilà, il est caché. Il est caché. Toi, tu dois pouvoir lui tirer dessus. Voilà, tranquillement. Tranquillement, okay. Tout se passe très bien. Au fait, merci Vegos, du coup, pour ton follow. Je ne t'ai même pas remercié. Me pose une question, Sid Redburn. Allez, avance, Sid Redburn. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je crois que quelqu'un là-haut vous aime bien, sergent. Ah bah du coup, bonne soirée. Du coup, bonne soirée. Allez, ça c'est full dégueulasse. Vous êtes des crados, les rebuts, de toute façon, on le sait. Alors toi, mets-toi ici. Mets-toi là. Je les ai dans le viseur. Je vais les avoir à l'œil de ce côté. Alors, vigilance. Vigilance est une capacité permettant à vos unités de tirer pendant le tour ennemi. Votre unité tirera une fois par point d'action dont elle disposait lors de l'activation de la vigilance. Ok, et eh ben let's go vigilance. Bien. C'est parti. Donc en gros, dès qu'il y a un mec qui va bouger, il va se faire défoncer. Ça c'est... Cible acquise. Ça c'est pas mal. Montez la garde d'ici. Ah, toi aussi tu vas en vigilance. Eh ben vigilance, vas-y. Regarde s'il y a des larves. Mauvaise pioche, merdeux. Allez, c'est parfait. Ah non, il y en a qui sont pas morts. Donc lui il se déplace, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Il se met aussi en vigilance. Je peux rien faire si vous ne réalisez pas leur garde. Alors, ça, on prend utiliser tir incapacitant. Tir incapacitant sur apparemment toi. Voilà. Interruption. Il est incapacité. Du coup, tu vas là. Ok. Et
et tu tires sur lui. Bon, ça va que c'est le didacticiel, on voit, hein, parce que en gros, on nous dit exactement ce qu'on doit faire. Donc toi, tu vas tuer lui, voilà. C'est absolument parfait, et tu vas... Alors, exécution. Les ennemis ont une chance d'être mis à terre lorsque leur santé baisse. Déplacer une unité jusqu'à un ennemi à terre pour l'exécuter. Exécuter un ennemi à terre donne un PA bonus à tous les autres unités alliées. Ok. Donc, on va aller exécuter lui. Voilà, petit coup de tronçonneuse, tranchage propre. Hein. On fait ça bien. Quand on voit ça, on peut se sentir. Et toi, on te tue. Et c'est parfait, voilà. Ah, mais il est pas mort. Allez, petite merde qui arrive. Alors. J'espère qu'il est important. Déjà, recharge. Ça nous dépasse tous les deux, sergent. Dépêchons-nous d'atteindre le central avant de nous faire frire. Ensuite, tu vas aller là. Et tu vas couvrir. Je surveille cette zone. Ensuite, toi, tu vas aller... Merde! Ah non, c'est bon. Putain, j'ai cru que je m'étais planté. J'ai cru que je m'étais planté. Du coup, il me reste deux actions. Tu vas aller te planquer là. Et une action, tu vas couvrir comme ça. Comme ça, les deux sont en train de couvrir, c'est parfait. Voilà, déjà deux en moins. Carrément. On va leur faire leur fête. Alors, par contre, toi, toi, il faut recharger. Et une fois que tu as rechargé, tu vas tuer lui. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là-bas. Et tu vas couvrir comme ça. Affirmatif. Mais on est pas mal pour ce tour. Bien essayé, ordure. Donc là, clairement, il peut toucher tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Recharge. Chargeur plein. Je suis pas dans une situation très très terrible en fait. Donc toi t'as 3. Si je te fais aller là. Si je te fais aller là, c'est pas mal. Et en fait, tu vas couvrir avec ton pote comme ça. Je m'en occupe. En position, et voilà. Et là ça fait mal. Là ça fait mal, ça passe très très bien. Papy va se faire taper, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, papy, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre, on appelle ça. Donc, papy. Papy, tu vas tuer lui. Voilà, bout portant. Et tu vas mettre un petit coup de pistolet sur lui. Ah bon, tu rates comme ça, papy. Bravo, papy. Bon, bah, tue-le maintenant. Voilà, coup critique. C'est bon. Et du coup, toi, tu vas aller là. Et je pense même que tu vas aller là, en fait. Voilà, c'est... Ah, merde. Ah, faut que papy, il arrive aussi. Vas-y, papy. Vite, vite. Qu'est-ce qu'on cherche? Un dossier qui a l'air ultra top secret. Bah forcément, faut tout péter la table. C'est tellement mieux de tout casser. Pas le temps de lire tout ça maintenant. On va pas s'ennuyer. Pas le temps de niaiser, on a pas le temps. J'emmerde Prescott. Ces conneries, c'est fini. Faut y aller. Vous alliez pas
Allez. Let's go. Let's go. Bah je veux bien, mais vas-y, laisse-moi jouer. Merde. Un river a largué des renforts. Ils arrivent. Allez, petite grenade. Là, il me faut une grenade. On en avait pas jusqu'à présent, mais là, c'est le moment. Là, faut... Eh bah parfait. Regardez-moi ça. Bien sûr que je vais m'en servir. Hop là, regarde ça, comme je vise bien. Eh oui, je suis exceptionnel en visée à la grenade, je sais. Alors, ensuite, toi tu vas aller... Ah oui, tu passes... Tac. Je peux pas faire un point de passage? What the fuck? Et toi tu vas aller, en gros, ici. Ici, comme ça, tu vois tout le monde. Et je dois pouvoir tirer sur toi. Voilà. Et je te rate, espèce de bâtard. Je t'ai complètement raté. Ouah, papa. Par contre, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Papy. Papy, tu bouges comme ça. Et papy, tu vas clairement essayer de tuer notre ami qui est là. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc papy, il a défoncé notre ami le locuste. Et toi. Est-ce qu'on peut tenter ça ou est-ce que ça passe pas du tout? C'est parti. Ah si, du coup il a arrêté, il est plus en vigilance et ça passe. Fin stratège. Fin stratège, c'est passé crème et on va venir ici, voilà. Allez, mais pour l'instant ça se passe très très bien. Ouf. Là ça craint pour vos gueules quand même. Va peut-être falloir penser à vous barrer, les gars. Mais vraiment. Vraiment, vraiment penser à vous barrer. Je pense que ce serait mieux. C'est quoi le plan, là? Le plan, c'est qu'on se casse, mon pote. On se dégage de là. On n'a pas le temps. Allez gros, papy là. Arrête de discuter un peu. Mais ça rentre. Il me semble qu'on a vu papy rentrer quand même. Mais bien sûr qu'ils s'en sont sortis. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts, nos amis. Ils sont incroyables, nos Gears. On peut pas enlever ça à Prescott. Il met le paquet. Allez, faut qu'on reparte. Allez, let's go. Let's go, mon pote. On est parti. Alors. Sacré coup de soleil. Il y a une caisse. J'espère que le blindé n'est pas cuit aussi, parce que ça nous ferait une trotte jusqu'au bunker. Il y a une caisse. Faut aller jusque là-bas, d'accord. C'est parti. Laisse-moi reculer, merci. Activité ennemie repérée. Ok, alors. C'est l'heure du massacre. On va... Alors, caisse d'équipement. Les caisses d'équipement se trouvent au cours des missions. Dirigez-vous vers une caisse pour la récupérer. À la fin de la mission, ouvrez la caisse pour obtenir de puissantes améliorations. C'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin. Ouais, c'est ça. Jouez pas les timides. Alors, et puis vous êtes allé vous planquer au garage. Pourquoi?
pour m'éloigner des missions à la con de Prescott. Allez, ça taille. On va déchiqueter de la lave. Tirer un puits d'émergence. Montez vite. Les laves vont bientôt se pointer. Elles sont déjà de retour, hein. Les frappes du rayon de l'aube de Prescott, quelle blague. Alors attends. Bon. Lui, il a 3 actions. 3 actions, si je vais là, ça me coûte 2. Si je vais là, ça me coûte 2. Là, 3. Je vais essayer d'aller là avec 2. Là avec 2. Et... Putain, c'est pas la bonne grenade. Oh merde. Lui, ça me coûte 3. Oh, bâtard. Merde. Parce que là, tant pis, je vais là. Je vais là et lui, du coup, il me reste un point d'action qu'on va faire comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je pensais qu'il avait pas les mêmes grenades en fait. Du coup, j'ai pas le choix. On va essayer de le péter quand même, parce que si c'est comme dans les autres Gears of War, il faut les casser. Ces fameux puits d'émergence, on n'a pas bien le choix, on va falloir le péter. On a des locustes qui rappliquent par-dessous. Allez, toi t'as pris, par contre les autres, c'est potes. Ah. Ah. What? Mais je peux pas bouger. Puits d'émergence. Les puits d'émergence permettent aux ennemis de faire venir des renforts. Une fois un puits complètement ouvert, vous pouvez le refermer avec une grenade de fragmentation. Les puits ne peuvent pas être détruits avant d'être complètement ouverts. Ah oui, donc faut qu'ils s'ouvrent et après tu jettes la grenade dedans. Essayez d'utiliser la vigilance sur un puits en train de s'ouvrir. Ok. Alors, par contre, là, on est baisé complet. On est baisé parce que si je bouge, ouais, je me fais tirer dessus, voilà. Par contre, si papy bouge, alors papy, je le fais bouger. Putain. Non mais papy, faut que tu bouges. Ok, papy il a bougé, papy va pouvoir jeter sa grenade. Mais jette ta grenade, gros. Voilà, jette la grenade là-dedans. Voilà, ça déjà c'est fait, ça c'est fermé, on n'en parle plus. Ensuite papy, tu vas te mettre en vigilance. En vigilance sur les deux du fond. On est couvert ici. Mais je me suis plan... Mais non, je fais de la merde, oh là là. Et voilà, papy prend cher. J'en ai un qui a pris, l'autre a pris. Une mission faible. Ok. Putain, je suis ultra mal. En fait, faut que je tire avec toi sur lui. Voilà, donc lui il est désactivé. Papy, tu tires sur lui. Tu le tues. C'est parfait. Ensuite, toi, il faudrait que tu mettes ta grenade. Lancerait un spray tonique ici. Je sais pas ce que c'est. Yes, ça guérit. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, avec ça, tu vas recharger. Et Papy, tu vas te mettre en vigilance. En vigilance orange, papy. J'ai pas l'impression que les larves soient là pour prendre le thé. Voilà, on les a presque niqués. Voilà, ça se met en vigilance, ça va, ils sont fair play, ils attaquent pas trop. Donc il y en a un qui est abîmé. Papy, tu tues lui. Ok. Papy, tu exécutes machin. Voilà, ça c'est parfait. Et toi, tu vas aller exécuter lui. Je suis en mouvement. Allez, c'est parti.
On est bien. Donc, ensuite, couverture ici. Et papy, tu vas en couverture. Tu vas en couverture là. Et toi, du coup, il me reste un point. Tu vas couvrir cette zone. J'ouvre l'œil. Et voilà, ça arrive. On pouvait s'y attendre. On va leur montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les laisser venir, peut-être. On va voir. S'ils approchent. Je serais assez chaud de les laisser venir. Voilà. Ça c'est parfait. Ça c'est extrêmement parfait ce qui vient de se passer. Donc il reste lui qui est en vigilance mais qui est hors de portée. Est-ce que par contre on peut l'avoir? 77%, je l'attaque. Pas mal. Recharge gros. Ce qu'on peut faire c'est que papy par contre peut-être que tu peux aller... Tu peux aller comme ça. Ouais. Papy, tu vas aller là. Et toi, tu vas retenter ta chance. Ah merde, du coup, papy peut pas. Papy peut pas. Là il est mieux placé. Ah tiens c'est étrange. Soutien disponible. C'est assez étrange comme attaque. Et tronçonnette. Une larve en moi. Parfait. Donc ensuite on va par là. Et voilà. Et voilà. J'ai envie de dire et voilà. C'est parfait. Du coup, on a le droit de boire un petit coup. Voilà. L'hydratation importante quand on se bat contre des locustes, j'ai envie de dire. Extrêmement important. Alors, victoire. Objectif principal, terminer la mission. Du coup, on a Crossfin, chargeur à tambour ordinaire, lunettes numériques et une caisse. C'est parfait. J'aime avoir des choses. J'aime beaucoup ça. Regardez, Diaz, la guerre continue. Faut qu'on discute de la mission de Prescott. Cette larve, ce Houkon. Ça suffit. Je vais nous sortir de là. Point barre. Merde. Le bunker. Fuck the bunker. Pas d'impact. Ça c'était pas le rayon. Non, clairement. Ça, c'est Houkon. Eh ben, c'est fait baiser. Voilà. C'est fait. Ça devait arriver, c'est arrivé. Bon, on a toujours un magnifique camion quand même. Au moins. J'espère que non. Lieutenant colonel Diaz, ça fait
faisait longtemps. Maintenant, c'est Sergent Président. J'espère que ça valait le coup de survivre à votre rayon. Oui, bien. Je suis content de voir que tout ce temps passé au garage ne vous a rien fait perdre de vos talents. Ouvrez-le. Vous avez devant vous la seule photo d'un locuste appelé Ukon. Oui, bah depuis le temps que vous le dites, on le sait maintenant qu'il s'appelle Ukon, qu'il est trop fort, que si, que là. Ça va, on a compris. C'est lui. Nous devons l'éliminer. Je ne dirigerai plus de mission. Pas après le fiasco de Gamka. Arrêtez de vivre dans le passé, Diaz. Vous voulez sauver des vies aujourd'hui? Cessez de gâcher vos talents de tacticien et tuez Ukon rapidement. Avant qu'il ne crée une menace encore pire. J'ai très peu à offrir, ni personnel, ni provision. Attendez, si cette larve est si dangereuse que ça, j'ai besoin d'équipement, de soldats, d'une armée. Bah non, tu vas te démerder, mon gros. Plein de ressources. Recrutez les Gears qu'il vous faut et bonne chance pour le reste. Quant à cet incident, à Gatka, essayez de faire mieux. Chaleureuse retrouvaille. Dans cette mission, le chef c'est moi, pas Prescott. C'est clair? C'est vous le boss, Mécano. Oh les gueules qu'ils ont quoi. Il nous faut des Gears. Il nous faut les Gears. Avec des grosses baloches. Bon bah voilà, bon petit premier épisode. Alors on va voir un peu les points de compétence et je pense qu'on s'arrêtera après pour le premier épisode. Le convoi est votre base d'opération mobile. Ouvrez des caisses d'équipement contenant des améliorations depuis l'écran d'accueil. Recrutez de nouvelles troupes lorsqu'elles sont disponibles depuis l'écran d'accueil. Personnalisez vos unités depuis la caverne. Lancez de nouvelles missions depuis l'écran de mission. Parfait. Ça, on s'en fout. Donc, récupérez le coffre. La caisse, pardon. Ça c'est fait. Modif, Retro Lanzor, ok. Ok. Vas-y, on prend. Donc on a tout ça. Ensuite, caserne qui clignote. On va aller dessus. Soutien. Diaz. Principal. Cross. Parfait. Sélectionné. Ok. Vas-y. Bon, je mets tout, hein. Viseur, c'est le même. Canon, c'est le même. Et toi, tu as un... Oh, toi, tu as plusieurs viseurs. Alors, attends. Bonus de précision, plus 45. Dégâts critiques, plus 150. Précision ou dégâts critiques? Précision. Ouais, précision. Je pense que précision, c'est mieux. Disponible. Qu'est-ce qu'il me raconte? Cross, Gab, grenade. Non, j'ai rien pour l'instant. Pour l'instant, je peux rien changer. Par contre, ah, arbre des compétences. Ok. Arbre des compétences. Vos unités gagnent des points de compétences. Ok, un petit rond en montant de niveau. Investissez ces points pour déverrouiller de nouvelles compétences actives et passives. Vous obtiendrez des jetons de réinitialisation en terminant. Ok. Alors. Donc compétence, lorsque cette unité tue un ennemi, elle soigne tous les alliés à hauteur de 4%. Ok. Soigne la cible alliée à hauteur de 100% de points avec le spray. Les cibles alliées, galvanisation, compétence active. Soigne la cible alliée à hauteur de 100 points de santé. Non, lui je vais le mettre en soignant quoi. On va le mettre en soignant. Les cibles avec moins de 50% de santé restantes reçoivent plus 100%. Ok, gros soin. Les soins du commandement passent à 7%. Ouais, je mets ça. Attends, je vais dire l'autre, mais... Le temps de recharge du jet spray tonique de cette unité est réduit de 2 tours. Ça peut être pas mal en vrai. Non, je vais plutôt prendre ça. Et toi, du coup, au début de votre tour, cette unité se soigne à hauteur de 10% de sa santé. Ça, c'est bien. Les ennemis dans un rayon de 10 mètres sortent de leur couverture et sont interrompus. Ok. Sélectionner une cible alliée à couvert, elle gagne 40% d'esquive mais ne peut effectuer... Non.
Ouais, c'est clairement, je prends ça. Lorsque cette unité tue un ennemi, le temps de recharge de sa charge à la bayonnette est réduit de 1 tour, ok. Donc en gros, c'est pour en faire quelqu'un qui attaque de ouf. Lorsque cette unité tue un ennemi grâce à la charge à la bayonnette, elle inflige plus 20% de dégâts et gagne 20% de réduction de dégâts ce tour-ci. Lorsque cette unité tire sur des ennemis ayant moins de 50% de santé restante, elle inflige plus 30% de dégâts. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que du coup ça t'oblige un peu à attaquer comme un gros bâtard. Salut Cooper, comment ça va? J'ai pas joué à FF7 du coup je sais pas trop. Bon bah voilà, du coup ça ce sera mon premier épisode sur ce sera mon premier épisode pour YouTube, clairement. On va s'arrêter là.